The ocean is sort of the mother of us all. I've witnessed the condition of the ocean where I grew up and how that's changed over in a period of my lifetime. So I see it with my own eyes, you know. It's, we're the ones responsible, so we have to turn around and get our act together. L'an passé, nous avons levé plus de 15 millions d'euros qui a permis d'investir en moins de 10 mois 6 millions d'euros sur des nouveaux projets, que ce soit nos initiatives, lutte contre les plastiques avec le programme Beyond Plastic Med, renforcement des aires marines protégées, protection d'espèces en danger, réintroduction de certaines espèces. Et je pense en particulier donc le thon rouge. Il y a l'espoir de réintroduire en Méditerranée le phoque moine de Méditerranée qui avait, nous le croyons, disparu intégralement. Le Monte Carlo Gala prend une nouvelle tournure. Nous ne pouvions plus le limiter exclusivement aux océans. Nous n'avons qu'une planète et la santé de la planète inclut nécessairement la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Tout est connecté. Et donc la grande nouveauté cette année, c'est un partenariat exceptionnel avec la Croix-Rouge monégasque qui nous semblait important d'unir nos forces dans ce contexte si difficile. Cette édition 2020 est particulièrement importante dans le contexte actuel. Nous l'avons vu, nous allons malheureusement continuer de le voir, la plupart de nos partenaires de terrain, les ONG que nous soutenons parfois depuis 10 ans, souffrent énormément et risquent de devoir compromettre, mettre en pause, arrêter les projets sur lesquels elles s'étaient engagées. Donc pour nous, cette levée de fonds, elle est vitale pour pérenniser des projets engagés dans des régions du monde qui souffrent particulièrement et qui comptent sur nous.